Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation de la toute nouvelle voiture les gars. La Anis Euros X32, qui est un véhicule tout simplement les gars customisable. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel véhicule les gars, parce que ce véhicule est très rapide. Pourquoi il est très rapide les gars? Parce que quand vous allez dans Legendary Motorsport, vous allez dans Anis, vous avez quoi les gars? Eh bien vous avez les gars amélioration HS W sur ce véhicule disponible au salon auto. Donc le prix du véhicule est 1 499 000. On va voir si avec la customisation HSW le véhicule sera plus rapide ou non, parce qu'on rappelle que c'est uniquement disponible sur PS5 et Xbox Series. Et du coup ce type de customisation permet d'augmenter la vitesse du véhicule et les performances. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, c'est une coupée. Bon, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir ça sur la HSW sur une coupée, c'est pas commun. Bon, d'habitude on l'a sur des sportives, super sportives, etc. Véhicules électriques et tout. Mais là du coup en l'occurrence on l'a sur ça. Donc on va voir si le véhicule est rapide ou non. Donc pour customiser, vous allez au salon de l'auto tout simplement. Voilà, c'est juste ici les gars, le salon de l'auto, pour ceux qui l'ont. Et du coup on va voir ce que ça donne en termes de customisation. Donc déjà 1,5 million, je trouve ça assez cher. Alors par contre si le véhicule va vite, en vérité, ça peut être potentiellement rentable. Donc voilà à quoi elle ressemble déjà de base. Je vous montre comment elle est, les gars. Voilà, donc c'est vraiment une coupée. C'est du classique, hein, les phares un peu à l'ancienne, etc. Et du coup, on va la customiser. C'est parti. Let's go. Anis Euros X32. Bon, on a eu le temps de tester dans les méga ramps, etc. Mais on n'a pas pu la tester. Donc, amélioration HS. W. Donc voilà ce que c'est. Alors 1 140 000. Donc c'est à dire qu'en fait là la voiture coûte déjà 1 400 000, et là vous rejetez 1 114 000 pour avoir la HSW. Donc ce qui nous fait un total de 2 500 000, plus ou moins pour le véhicule, 2 600 000, ouais, à peu près 2 640 000 pour le véhicule. Donc du coup on le fait. Donc on a vu quand même qu'on a eu pas mal de choses, hein, d'améliorer. On a eu la vitesse de pointe qui a été améliorée, l'accélération. Alors blindage on met à fond, frein on met à fond, panneau. Alors qu'est-ce qu'on a? Léger noir chromé. On va mettre chromé, moteur HSW. Donc on voit que l'accélération est encore plus améliorée. Donc de base c'est comme ça. Je vous montre en bas, hein, regardez l'accélération. Et là, ça nous rajoute à peu près une barre, je pense, je dirais, ouais, une barre. Et donc c'est fait, donc quand même pas mal cher, hein, ce truc. Alors en termes des pots d'échappement, qu'est-ce qu'on a? De série, c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça, grand échappement double, j'aime beaucoup. Ou sinon, on a le simple. Quoique le simple est pas mal, j'aime beaucoup le grand simple. Alors au niveau de la calandre, qu'est-ce qu'on a? On a chromé. Ok, insert de calandre. On a croisé et moderne. Écoutez, on va partir sur moderne noir. On verra peut-être après, on changera la couleur. Alors au niveau du capot, on a capot agressif couleur 1. Ok, carbone, non c'est pas ouf. Capot de course, pas ouf non plus. Compétition, j'aime pas non plus. HSW, c'est pas mal, mais le problème, c'est que c'est en carbone. Compétition, c'est en vrai. Non, en vrai, compétition, c'est pas mal, je pense. Je vais voir de série, c'est comment. Ou alors, comme ça, à la limite. Course, c'est pas mal aussi. Non, je pense qu'on va mettre compétition. Ça, on s'en fout. Éclairage. Ouais, support néon, on le met. Ok, donc déjà en termes de custom on est pas mal du tout. Alors en termes de motif, qu'est-ce qu'on a comme motif sur ce véhicule? Les motifs sont pas ouf, hein. Les motifs sont pas ouf du tout. Honnêtement les motifs sont pas ouf. Bon, après, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça, c'est pas mal. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Ajourée, là, c'est pas mal.
Agressives, elles sont pas mal aussi, les gars. Ah, il y a aussi HSW. Les pro ajourés, ouais, c'est ajouré en noir. Bon, pour l'instant, on met ça, on verra bien après. Ça, on va mettre ça. Diffuseur de plaque. Ok, donc ça change l'arrière en gros. HSW, c'est pas mal. Je pense qu'on va rester sur le thème compétition, mais bon, on a compétition couleur 2, allez. Peinture. Alors, comment on pourrait custom ce véhicule? Quelle couleur on pourrait mettre? Sur un véhicule comme ça, honnêtement. Honnêtement, sur un véhicule comme ça, les gars. C'est un véhicule un peu ancien, donc c'est vrai que je sais pas trop quoi mettre. En blanc, non? Noir, c'est pas ouf. Honnêtement, je sais pas du tout quoi mettre, les gars, vraiment. Bas de caisse, alors bas de caisse, on va voir après la couleur, les gars. Honnêtement, ouais, je sais pas trop quoi mettre, hein, vraiment. Bas de caisse, on va mettre ça. Séparateur. Après, c'est vrai que là, on l'a bien custom quand même. Hein. Couleur 2. Ou après, t'as HSW. Alors, aileron, qu'est-ce qu'on a en aileron? En termes d'aileron, je pense qu'on va partir sur du dragster. En vrai, c'est pas mal. Je suis pas fan des HSW, moi. Je pense que je vais partir sur le dragster. Genre comme ça. Ouais. C'est pas mal comme ça, les gars. Par soleil on met, suspension on met, transmission on met, turbo stade 3, roue, sur ce genre de véhicule je pense qu'on peut mettre des roues un peu plus, faut mettre pas des roues tuning, non, faut mettre des roues de rue peut-être. Alors déjà j'ai peut-être changé la couleur, alors je vais mettre la couleur en noir. Ok. Ok. J'aime bien les roues comme ça. Hein. Après, on va voir si on n'a pas d'autres choses un peu plus sympas. Après, c'est vrai que moi, en termes de custom, les gars, je suis pas non plus ouf. Hein. Faut pas mettre des choses comme ça parce que. Vous voyez là c'est un peu simple, ça va bien je trouve. On va voir en lowrider peut-être. Ouais. Après en termes de couleur honnêtement je sais pas trop quoi mettre vraiment. Je sais pas trop quoi mettre en termes de... C'est compliqué hein, des custom des véhicules comme ça les gars. Je pense que je vais me rester sur du noir et jaune les gars. Même comme ça c'est pas mal hein. Triple bande noire. Et je pense que je vais rester sur. C'est quoi, je vais mettre double. Je vais mettre double et du coup. Noter où c'est où la couleur là. Éclairage, kit, couleur. Partir sur du fion du coup. Ok. Et bah voilà ma customisation les gars sur ce véhicule qui est. Incroyable, on peut sortir du coup. Moi j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va voir si le véhicule va vite. Parce qu'on l'a custom. Maintenant, il faut que le véhicule soit incroyablement rapide. Bon, je te le dis. Voilà, donc c'est la Anis Euros X32, les gars.
Déjà qu'on sent que la vitesse est beaucoup plus sympathique qu'avant. Il m'a l'air de bien bombarder comme ce véhicule, hein. Il est vraiment rapide. On va faire un départ arrêté, les gars, regardez. Il a une bonne accélération. Ouais, franchement, il m'a l'air rapide, les gars, honnêtement. Ok, je peux... Faudrait tester avec la salle, si jamais on fait des tests de véhicule, les gars. Ok, ouais, faudrait tester, les gars, du coup. Je vais essayer d'aller sur l'autoroute, mais c'est compliqué. Il y a trop de PNJ, je risque de faire des accidents. Mais déjà, elle a une bonne accélération. Maintenant, il faut voir si elle a une bonne vitesse de pointe, si elle peut faire face à des véhicules de type super sportif ou sportive HSW, justement. J'essaie de regarder le compteur. Ah, la voiture monte encore. Ouais, on est à plus de 100... À plus de 110 déjà. Ouais, franchement, elle accélère. Les gars, franchement, elle a de la bonne vitesse. Après 2,5 millions pour ça, honnêtement, c'est chaud quand même. Là, on arrive dans les 120. J'ai l'impression qu'elle bombarde de plus en plus ou... On va la repasser un cap là. On a plus 120 miles. On redescend un peu. Faut voir, franchement, faut voir si elle est rapide ou pas. En tout cas, voilà, c'était la customisation de la Anis Euros X32, qui est le véhicule pour l'instant le plus rapide du DLC. On se laisse là-dessus. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.